Bien, messieurs, je n'ai jamais allé à aucune de ces bons sans guerre, mais j'en ai entendu parler. J'aimerais mieux être un vieux chien galeux et appartenir aux plus pauvres des coureurs de forêt que d'être membre d'un parti qui se rendrait responsable d'une telle injustice. Ils ont voulu que ça tombe par où dans leur club, leur salon, entretenant lieutenant, député, baron. Entretenant la haine, c'est toujours les mêmes, les enfants, les familles qui peinent. Pour une histoire de race, de région, pour une histoire de place, de religion, ils nous mentent. Le conflit en armes, ils alimentent. Dans les bouquins, c'est bourré de ratures. Ça fait 5, 6, 7 000 ans que ça dure. 5, 6, 7 000 ans peuvent partir d'un coup de pression. Agression, répression, guillotine, pleurs. Exécution, représailles, vengeance, rancœur. Dénominateur commun, la douleur. Y'a pas qu'en Orient que c'est œil pour œil, dent pour dent. Y'a des bleds où ça fait 100 ans qu'ils sont à fond dedans. Toutes les 10 minutes, ça bute. Toutes les minutes, y'a une mère qui lutte. Des intellos qu'on emprisonne, qu'on exécute. Une presse à qui on dit chute, qu'on mute. Des innocents ballons, des criminels qui prennent du galon. Avant rapper pour la paix, aujourd'hui on te paye et tu tais. Même celui qui est plein peut être emmerdé par celui qui a rien. Y'a pas de salam alikoum, on est tous reliés, liés à la Jeff Goldblum. C'est la théorie du chaos, c'est mettre KO les gens d'en bas et protéger les salauds qui sont en haut. Et l'humanité, ciao. Squat, homme de paix, entouré de macaques sous-armés. Paradoxe permanent, comme au Moyen-Orient, là où la violence surplombe la sagesse des hommes. Paix, arrêtons de dire et vivons là, que ce soit au Congo ou dans le 9-3. La guerre, ça ne sert à rien, même pour obtenir la paix. La paix est éternelle si le sang n'est pas versé. L'histoire de l'homme est terrible sur cette planète magique. Je rêve de paix, mais même mon crew s'effrite. Chacun veut sa paix avec ses avantages. Et ceux qui veulent la guerre, c'est la vengeance, l'orage. Mais les yeux de la paix n'ont ni vengeance ni défi. Pas de suprématie, pas de jalousie, pas de mépris. Le hip-hop, un mouvement de paix, mais un mouvement de plus. Avec ces rares hommes de paix qui s'exilent en plus. Frère, y'a des gouvernements qui exploitent. Mais avant tout, moi je vais dire qui exploite. Ce sont des hommes sur d'autres hommes, des hommes sur des femmes. Des femmes sur des femmes, des femmes sur d'autres hommes. Les périodes de guerre sont des transitions de paix. Les périodes de paix sont des guerres contrôlées. Je sais ce que je dis, je ne rêve pas la paix que sur disque. Je suis grillé comme la paix chez ceux où la guerre subsiste. Dans tous les affrontements, des malentendus, des gens tendus, des gens pendus, des gens entendus, des black and white, juifs, arabes, catho-animistes, populistes, islamistes, bouddhistes, communistes, sabbatistes, libéraux, sandinistes, narcos, tutsi, hutu, pakato, hindou, américains et terroristes, Ben Laden, Century Fox, turc orthodoxe, sud, nord, nourriture, gisement, d'eau et d'or. On a marre de vos histoires de mort, de sang, de larmes, de bien, de mal. Dans le carnaval mondial, l'homme est l'animal le plus cannibale. Lisez, lisez qui vous voudrez, mais y'a pas de société civilisée. Un monde de paix, Flèche Bleue, The Album, John Cadillac, Fat Trax, Rocking, SQUAT, pour la transcontinentalité de mon phrasé. Word up. Je te laisse et te souhaite la paix. Peace, peace, peace.